Bonjour, avant toute chose, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton en bas à droite, si ce n'est déjà fait, ou si, et si vous êtes intéressé au contenu de mes vidéos. Alors, Aquanaut, c'est un jeu d'aventure, aventure avec un grand A, dans lequel vous interprétez un homme en scaphandre qui doit récupérer un trésor sous l'eau. Rassurez-vous, c'est pas très profond, ça va jusqu'à 50 mètres. Donc c'est un milieu benthique, on appelle ça un milieu benthique, c'est-à-dire le trésor se trouve dans le fond marin, mais près du littoral. Donc ça a été édité par France Image Logiciel en 1988 pour les Thomson TO8, MO6 et Amstrad CPC. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors vous voyez déjà, le tableau ressemble beaucoup au jeu de Free Game Blow. Au jeu donc en fait, à mon avis, l'auteur, ça doit être quelqu'un qui a dû travailler pour Free Game Blow avant de proposer ce jeu-là à France Image Logiciel. Donc en fait, dans le jeu, il faut faire gaffe à plein de choses. Il y a des ennemis. Il y a des requins, des choses comme ça. Mais il y a aussi à faire attention à la réserve d'oxygène qu'on voit sur la droite, là, ainsi qu'au palier de décompression. Alors là, c'est des mines, hein, faut faire hyper gaffe. Au palier de décompression, voilà. Normalement, ça devrait aller là. Et le but, c'est de trouver un trésor. Un trésor qui contient. Alors, je sais pas trop comment je vais faire là. Juste arrière, hop. Voilà. Donc on va se balader un peu. Il y a un trésor là, effectivement. Si je... Bing, je me suis fait avoir. Je vais faire une autre partie. Donc en fait, au départ, on a... différents épreuves à passer, donc les requins, les filets de pêche qui nous retardent, les mines. Donc en fait, on a 5 hauteurs de. On a 5 niveaux de 10 mètres en fait. Là du coup je sais pas par où je vais passer, est-ce que je passe par là ou quoi? Peut-être passer par là, hop. Donc là c'est le quatrième, donc on est à entre 30 et 40 mètres là, à peu près. Et là on a les murennes à éviter, hop. Voilà. Et là pareil. Donc là, je vous montre un peu comment c'est le décor du fond. En espérant pas me faire avoir. Là il n'y a rien. Alors oui, le problème c'est que la pieuvre en bas elle protège le coffre au trésor. Alors, ça c'est un peu chiant. Deuxième, troisième. Donc en gros on doit avoir 5 je vais refaire en une fois. On doit avoir 5 largeurs d'écran pour le fond sous-marin là, en fait. Si je m'abuse. Une autre partie vite fait, hop. Là ce qui est chiant c'est que j'ai déjà perdu près de 80 bulles là. Enfin 80 réserves d'oxygène, elles sont parties très vite, hop. C'est toujours les mines les plus dangereuses en fait, hop. Bah, tiens, je peux y aller maintenant parce que là elles sont écartées, les murennes. Si je vais par là, bon, je vais faire. Aller par là, tiens. Ah zut, bon ok, je vais refaire une autre partie, ça c'est la dernière, hop. Pas abuser de votre patience, cher ami internaute, cher ami youtubeur. Toc toc.
c'est bizarre, j'aurais pas dû me retrouver là normalement. Il y a un bug dans le logiciel là, on dirait. Je vais vous faire voir un peu comment c'est le fond marin là. Donc il y a les ruines là, là il y a le bateau. Alors normalement je dois pouvoir passer par là-haut. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Il y a encore des ruines là. Est-ce que je peux aller dans la grotte là? Non, je peux pas y aller. Bing. En gros, il y a 5 types de décors dans le fond. Donc voilà, c'était Aquanaut, édité par Phil en 1987. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de jeu Thompson ou d'autres thèmes.